Partisans, n'enviez pas la ville grecque. Ils tentent de vous amadouer. Qu'ils construisent! Nous en aurons plus à détruire! Lorsque les Grecs seront exterminés, les Aztèques régneront sur ce monde. Disciples fermiers. Disciples fermiers. Disciples fermiers. Disciples fermiers. Disciples fermiers. Disciple fermier. Naissance. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Ils se propagent comme la peste. Leur cité déborde. Et on s'en prend plein la poire. On est en train de morfler.
pas. Les Aztèques ne pourront pas régner sur ces terres tant que les Grecs seront encore là. Un hôtel est vraiment un atout majeur. On est en train de morfler. Zone d'influence. Vous pouvez les accepter ou les rejeter. Vous avez bâti un hôtel. Partisans, n'enviez pas la ville grecque. Ils tentent de vous amadouer. Désinguer notre tribu. Nous partageons avec nos maîtres aztèques la même haine pour les Grecs. Les nôtres se font massacrer. Disciples, adorateurs. Disciples, adorateurs. Une grande cité ne suffira pas à arrêter les armées scandinaves. Thank you.
Rapportez-moi des nouvelles. Préparez vos forces afin d'anéantir ces troupes grecques. Immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Les Aztèques veulent régner sur ces terres. Les Grecs doivent être détruits. Les Grecs regretteront leur mépris. Disciple, adorateur. Hé, hey boss, ça tourne mal. Disciple, adorateur.
village est dans un sale état. Nous, partisans, n'enviez pas la ville grecque. Ils tentent de vous amadouer. On le tient dessus. Ces pitoyables survivants de l'attaque aztèque ne résisteront pas longtemps aussi. Disciples bâtisseurs. Je ne ressens que du mépris pour leur cité. Je préférerais la réduire en cendres plutôt que de vivre dans un tel endroit. Préparez vos forces afin d'anéantir ces troupes grecques. Vous avez déjà créé un adorateur. Vous êtes malin. Les miracles sont une force très puissante, utilisable pour le bien ou pour le mal, pur, simple et absolu. Cet hôtel dispose déjà d'un miracle de l'eau. Essayez-le sur ce champ là-bas. Prenez le miracle et utilisez-le sur le champ pour l'arroser. De l'arrosage? Ouais, j'espérais un truc plus spectaculaire. Enfin bon, essayez ça, boss. Vous avez lancé un miracle de l'eau. Bien joué, patron. Si vous voulez que la cité s'agrandisse, il faudra beaucoup de nourriture. Notre créature peut nous aider en récoltant du grain. Il suffit de lui attribuer le rôle de récolteur près d'un champ. Pour attribuer un rôle à la créature, ouvrez l'interface de rôle de la créature.
Sélectionnez le bouton vert du rôle de récolteur. Ceci permet de modifier le rôle de la créature et de prendre sa laisse automatiquement. Excellent! À présent, double-cliquez avec le bouton action à l'endroit où vous désirez que la créature remplisse ce rôle. Nous devons nous débarrasser de ces maudits Grecs afin de permettre aux Aztèques de régner. Vous voyez le cercle autour du drapeau? La créature récoltera des ressources dans ce périmètre. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Elle emportera ses ressources dans l'entrepôt. Pour le moment, la créature n'est pas très douée dans ce rôle. Elle ne ramasse que peu de grains à la fois. Elle n'est que récolteur de niveau 1, mais vous pouvez améliorer cela en dépensant des points d'offrande. Cela la rendra bien plus efficace. Malin, hein? Non! Pourquoi de braves Scandinaves quittent-ils nos camps pour s'allier à ces intrus grecs? Votre créature peut également assurer les fonctions de guerrier, de bâtisseur ou d'amuseur pour divertir la population. En bâtisseur, une créature peut aider à la construction des bâtiments d'une cité. Le rôle de guerrier fait de la créature une unité militaire. Notre créature est encore petite et pas très douée au combat. Mais quelques points d'offrande pourraient la rendre plus dangereuse en améliorant son rôle de guerrier. Oui. Vous pouvez également laisser votre créature en mode libre arbitre. Elle fera ce dont elle a envie selon ce que vous lui aurez appris. Une dernière chose à savoir à propos des rôles. Ils affectent le libre arbitre de votre créature. Oui. Plus une créature jouera un certain rôle, moins elle aura de libre arbitre. D'ici. Si vous lui attribuez le même rôle trop longtemps, elle agira comme une machine, plus comme un animal. Jouer un rôle, ça va bien un moment. Vous pouvez vérifier le niveau de libre arbitre de votre créature en consultant la barre dans l'interface de créature. Pour annuler le rôle de votre créature, cliquez sur le bouton libre arbitre. Bon, pourquoi ne pas tester un peu les différents rôles, boss? Faites un peu évoluer la ville, par exemple. Et n'oubliez pas, en cas d'attaque, utilisez le rôle guerrier. Un groupe d'immigrants attend... Partisans, n'enviez pas la ville grecque. Ils tentent de vous amadouer. Les maîtres aztèques seront heureux lorsque je leur apporterai la tête des chefs de l'armée grecque.
Ils veulent détruire notre ville. Préparez vos forces afin d'anéantir ces troupes grecques. Vous avez construit des remparts pour protéger la population contre les Scandinaves. Partisans, n'enviez pas la ville grecque. Ils tentent de vous amadouer. Ces Grecs sont très malins. Ils construisent des murs et ils ont bien raison. Envoyez des troupes à leurs portes. De l'eau partout. C'est merveilleux. Merveilleux. J'y crois pas, il en peut plus l'autre là. Mon peuple ne se laissera pas berner par l'abondance de cette ville grecque. Comment ces idiots ont-ils réussi à résister à la puissance des Aztèques ? Je n'avais jamais vu de tribu aussi noble. Les Grecs nous ont montré un autre chemin que celui de la guerre. Leur civilisation et leur sens de la justice inspirent le respect. Je devrais peut-être m'allier avec ces Grecs. Leur culture est bien plus avancée que celle des Aztèques. Peut-être même que la prophétie est vraie.
un dieu serait revenu pour sauver cette tribu affaiblie. Il sera intéressant d'observer comment ils feront face à la puissance des Japonais et à la brutalité des Aztèques. Je me demande si les Grecs accompliront la prophétie en allant jusqu'à Onchai, où certains de leurs frères survivent encore. Hurrah ! La bonté a encore fait la preuve de son efficacité. Thank you.